Cette œuvre de l'artiste français Claude Kloski est une installation composée d'une carte du monde pendue dans les airs. Oui, c'est juste ça. Déçu, l'artiste l'a fait exprès. La Terre plate, c'est le nom de l'œuvre, invite à réfléchir à cette représentation de notre planète. La Terre est ronde, la carte est plate. La Terre sur une carte, c'est une convention. Comme un grand terrain de jeu pour hommes ambitieux, pour tous les conquistadors du XXIe siècle. La Terre plate, une Terre rêvée ou une Terre de cauchemar? Question de point de vue. Mais après tout, comme l'écrivait un élève dans son devoir de géographie conservé dans les annales, une plaine est une montagne plate. Tâchez d'y penser. À l'escalade.